C'est ma première question, Benjamin. Je croyais que ça donnerait mieux. À qui je pouvais penser? Einstein. Un Autrichien. Exactement. Mon père. Albert Einstein. Écoutez, Albert Einstein sera sans la moustache. Bon, Albert Einstein, qui sait ce qu'il a inventé, cet homme-là? Ce qu'il a inventé ou ce qu'il a trouvé? Peut-être. Je n'en sais rien. Non, une de ses principales trouvailles, c'est la loi de la relativité universelle. Ah oui, ça c'est vrai. Pour les étudiants, qui se résume à une formule, c'est E égale MC carré. C'est Nobel. C'est un peu difficile pour ceux qui sont en primaire, mais vous verrez, ça vient là. Donc E égale MC carré, dans cette formule, il y a l'énergie qui est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Ça, on peut l'oublier, c'est une constante, mais ce qui est important, c'est que l'énergie est égale à la masse. Quand l'énergie augmente quelque part, la masse augmente ou vice-versa. Si on augmente la masse de quelque chose, il y a plus d'énergie. Et comment il l'expliquait à ses élèves, à l'université? Eh bien, il l'expliquait grâce à un tout petit puzzle qu'il avait fabriqué et que j'ai refabriqué moi-même également. Un petit puzzle qui contient 10 pièces. Je les ai numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et qui présente, vous l'avez vu, des petits carrés. Or, combien y a-t-il de carrés? Il y en a 63. Je vous le dis déjà, comme ça vous ne devrez pas calculer après. 63, c'est-à-dire, de côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés, fois, en base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés, ça fait bien 60. Et maintenant, je vais vous montrer comment Albert Einstein expliquait sa formule aux étudiants. Donc, je vais poser le cadre ici. Comment ça va? Donc, on est bien d'accord. Nous avons bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. Comment ça va, ce truc? Essayez de refaire à peu près le puzzle correctement. Donc, l'énergie est égale à la masse. La masse se transforme en énergie, l'énergie se transforme en masse. Pour le prouver, nous avons donc bien de côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. De base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 63. Je mets de l'énergie dans une partie de mon puzzle, comme ceci, simplement. Et tout de suite, mais très très vite, on remarque que de la matière se crée. Une petite pièce se crée. De 10. Si on recompte, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés de côté, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 63 carrés avec les carrés de base, plus 1, 64. Je vais vous le refaire une deuxième fois, que vous compreniez un peu mieux, d'accord? Donc je mets de l'énergie, on est d'accord? Un petit peu d'énergie dans mon truc, et vous allez voir que automatiquement, si on fait ceci, hop, un carré. Oui, mais l'air. On a toujours bien de côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. De base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 9 égale 63, 64, 65 carrés. Nous avons donc créé 2 carrés de matière. Pour une dernière fois, vous puissiez retourner en Belgique, l'expliquer à vos amis, à votre famille, etc. Je remets un petit peu d'énergie dans mon puzzle, comme ceci, et hop, automatiquement, un carré. On peut recompter quand même, on ne sait jamais. Nous avons donc, à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés de côté, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés de base, 63, 64, 65, 66. Merci Albert Einstein. Vous avez des questions? Oui, ah oui. Tu peux le refaire. Une fois, il y en a sûrement qui vont me dire, oui, mais si tu remets tous tes carrés dans le cadre, sans ces trois carrés-là, forcément, il va y avoir des trous, c'est pas possible.
Eh bien, pas du tout. Si on remet les carrés dans le cadre, vous allez voir que... Je te jure que si ça marche, je comprends. Albert Einstein n'était pas un imbécile. Et non, ça... Nous avons donc 63 carrés, 64, 65 et 66. Merci, la loi de la théorie. That's all, folks.